Et salut tout le monde, c'est Deslore. Alors on est mardi 17 mars, le reset est passé et avec on a eu un nouvel exotique, le quatrième cavalier qui est arrivé sur Destiny 2. Alors on va voir ensemble comment récupérer l'arme et ensuite à la fin de la vidéo je vous montrerai un petit peu comment elle tire et les dégâts qu'elle fait en tout cas en PvE. Alors vous inquiétez pas, c'est pas une quête qui va demander énormément de temps, je pense qu'en à peu près 1h30, 2h c'est entièrement bouclé de A à Z. Tout d'abord il faudra parler à Zavala qui est sur la tour et il vous demandera dans une seconde quête de trouver l'arme en question, donc le quatrième cavalier dans sa cachette. Vous allez devoir trouver le bureau de Zavala qui est caché sur la tour. Alors il suffira d'aller juste sur la plateforme qui se trouve en dessous de Zavala, vous continuez, ensuite vous allez trouver son bureau, vous continuez toujours dans la pièce, les escaliers, et vous allez voir qu'il y a un espèce de mini labyrinthe, enfin c'est pas trop un labyrinthe parce qu'il n'y a qu'une seule allée, mais des fois il y a certaines étapes qui sont un petit peu cachées. Une fois que c'est fait, il faudra reparler à Zavala qui vous demandera de parler à Annabrek qui va se trouver sur Mars. Elle vous donnera une quête qui vous demandera de faire des events publics sur Mars. Alors pour les events publics, ça vous donnera 20% à chaque event public épique que vous ferez sur la quête. Et les protocoles d'intensification vous donneront 10%. Ensuite, vous devrez reparler à Annabrek sur Mars. Elle vous donnera une seconde quête qui demandera de trouver des coffres cabales sur Mars. Donc chaque coffre cabale vous donnera 20%. Ou encore, vous pouvez tuer des pions qui vous donneront chacun 2%. Une fois 100%, vous devrez retourner sur la tour et parler à Benoît. Il vous donnera une quête où il faudra aller sur la ZME, faire des events publics et aussi des patrouilles. Une fois complété, reparlez à Benoît sur la tour et la dernière étape sera de faire le secteur oublié légendaire carrière sur la ZME. Alors pour trouver ce secteur oublié, il faudra arriver le bonjour. Il faut savoir que chaque jour, les secteurs oubliés légendaires sur chaque bunker, en tout cas celui de la ZME, change. Alors il y a 3 secteurs oubliés, ça veut dire que tous les 3 jours, vous pouvez retrouver le secteur oublié carrière sur la ZME. Une fois que vous aurez complété ce secteur oublié, vous allez pouvoir récupérer dans le coffre de fin l'arme 4ème cavalier qui sera un fusil à pompe exotique. Alors de ce que j'ai pu voir, il a une très faible portée, par contre il fait de gros dégâts. Il a un recul extrêmement élevé, ce qui oblige un petit peu de faire du corps à corps. Alors pour les autres perks, je vous laisserai regarder ça directement dans votre inventaire une fois que vous l'aurez, ou alors vous pouvez le retrouver dans la collection. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la quête exotique ou encore au jeu Destiny. Sur ce, moi je retourne jouer et je vous dis bon jeu les braises.